tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour... C'est le retour du vlog. Alors je sais qu'après une grande absence et tout, là je profite en fait de ce road trip pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui on va à Nakom... Ah non, je vois que ça... C'est où? Ça va être au-dessus. On va... Putain... On peut y arriver. Bon bah, on va répondre au téléphone. Ok, c'est parti. Il est pas parti. Je sens qu'il va rappeler. Je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qu'il veut et tout, alors il parle de, ça doit être mon ancienne maison, mais enfin bon, après je suis pas là-bas, donc après il se démerde. Hein. Donc allez, aujourd'hui on va à Nakom Phanom, 800 km, on est mercredi, il est presque 11h du matin. Sur les 800 km, je me suis fixé un objectif qui me paraît raisonnable, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est pas tout faire en une journée, c'est de faire que la moitié. Ça va pas être possible la moitié, j'ai 400 bornes, il va me falloir 11h. Donc je vais essayer de rouler, hop là, reviens un peu vers moi, voilà. Je vais essayer de rouler tout doucement, tranquille. Là il est 11h, comme ça je vais rouler pendant 2h, j'ai 200 bahts, 200 bahts, ça fait 6€ d'essence. Donc je vais rouler un peu, faire le plein, manger, après on roulera, on prendra un café, puis on verra vers où on est en milieu d'après-midi. Si on a fait 400 ou 500 bornes, et puis ce que je voudrais pas, en vrai je voudrais pas m'arrêter dans un hôtel au bord de la route comme ça, puis attendre, galérer toute l'après-midi à rien faire. Alors je pourrais bosser. Et puis je voudrais pas tout faire d'un coup non plus, puisque j'ai le temps, je peux y aller en 2 jours. Voilà. Donc je vous propose de suivre. Il est actuellement. Enfin, il est au téléphone. Regarde. Il est 10h55. 10h55. Regarde, je te fais voir un peu. Non mais regarde là. C'est avec le fast tracking. Voilà. Il y a 793 km. Le GPS me dit 13h. Enfin bon, 13h en moto. Il n'y a pas de radar ici, ils ont même pas de radar à main. Il y a quelques radars dans les pick-up, dans les 4x4 apparemment ici, mais ça flash de l'avant. Voilà, donc de l'avant une moto. Voilà. Bon allez, je me souhaite un bon voyage à moi-même, et puis on se retrouve dans 2h, je vais vous filmer la route et tout, c'est un peu pompeux, on va voir où on va s'arrêter. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, petite pause qui n'était pas dans le contrat, il est midi 10. Je fais une petite pause, ça fait 1 heure que je roule, il me reste 700 km, donc on va dire tout pas mal. J'avais soif. La moto, il en reste, la moto n'a pas encore soif, et papa, il a besoin de faire la vidange, mais on vient là, Jeannette. J'avais soif, et puis voilà, il faut boire de l'eau, hein. Le médecin, il a dit combien, hein, c'est bon. M'arrêter, boire une petite bouteille d'eau, 5 minutes, regarder un petit peu, tu vois, regarder un peu les messages, vite fait, les emails. Chui, c'est un peu énervé ce matin, là. Ils ont une promotion pour Black Friday, donc il a fallu que je fasse l'article, il est content. Wondershare, la vidéo d'hier, elle est contente aussi. La vidéo de demain, je voulais que je rajoute une bannière, c'est trop tard. Donc j'ai mis les prix en bas. Voilà, on va répondre un peu à tous ces gens, c'est le cas de le dire. Et c'est Jeanne. Voilà, petite pause, et on repart dans 5 minutes, là, avant midi 10. Comme ça, je vais rouler encore une heure et demie, je pense, jusqu'à la fin du plan. Ça, je m'enlève même pas les vêtements et tout, je les raide les gants et tout, tu vois. Ça va avoir un peu. Hein. Donc merci Zolki hein, pour la veste. Alors c'est une édition limitée, il n'y en a plus. Hein. Voilà, le pantalon Zolki toujours. Voilà, les gants KTM que j'aime bien parce qu'ils sont ouverts. Et... Ouais, mais bon, il fait 34 degrés le matin. Avec les gants fermés et tout. Voilà. Je vais juste remettre le casque et je repars. Et jusqu'au plein, manger un peu chez PTT. Toujours. Moi, je m'étais arrêté dans celui-là la dernière fois. Voilà où ils se ressemblent tous. Bon, on verra. Tchou! Allez, là, voilà. Bon, il est 1h20. Donc, ça veut dire que j'ai roulé une petite heure. Ce qui est pas mal. J'ai roulé une heure. Le face machin, là. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Voilà, face. J'ai roulé une petite heure. Pas mal. Il reste 620 km. Voilà, bon bah là ce qui vient, c'est bon, il est 1h20, c'était un peu le but. J'allais manger un bout au 7-Eleven. Je vais pas aller prendre des cafés tout de suite, ça sera pour la revanche. C'est pas mal, 620 bornes, ça veut dire que je suis parti là, faisait presque 800, voilà, fait 180 bornes. Voilà, maintenant c'est bien. J'ai mangé une cochonnerie au 7-Eleven, ma bouteille d'eau est tombée de toute façon. Voilà, un petit sandwich tranquille, prendre mon temps, repartir vers... quelle heure, vers que... Ça va pas durer longtemps, ça va durer une demi-heure cette histoire. Repartir après et puis voilà, rouler le plein. De toute façon, j'ai fait le plein. Rouler le plein soit 2h, c'est-à-dire même si je pars à 14h, à 16h, je peux m'arrêter pour le café. Petit café, on verra où. Hein, on verra à quel endroit merveilleux on ira prendre le café. Tu verrouilles ou pas? On verra. C'est bien. Attends, je te fais voir un peu. Attends. Allez, si on peut faire mieux que ça. Voilà, là on est donc on est parti de Pattaya ici, on voit rien hein.
On voit rien. On est parti de Pattaya ici. En bas là, on est là. Je pense qu'on va arriver jusque. On devrait arriver là vers Konkien à mon avis, hein, vers 16h. Quoi, il y a encore des bornes. Hein. Bon, c'est pas grave, 200 bornes, c'est bien. Puisque de toute façon, je m'étais fixé 400 bornes, donc j'ai presque fait la moitié. Donc on va rouler encore un peu, et puis reviens là, Jaco. Jaco, la fripouille. Non ? Voilà. On va rouler encore un peu, 2 heures. On va rouler encore 2 heures pour le café, on verra complètement grave. C'est vrai que si c'est jusque 16h pour le café, ça mettrait peut-être de rouler jusqu'à 17-18h. Voilà, on aura déjà bien avancé. Sauf si je prends un hôtel au bord de la route, sauf si j'arrive à Konkien ou à Kalasin, je crois. J'ai déjà allé, donc au pire, je pourrais retrouver l'hôtel où j'étais déjà allé. Voilà. Bon, allez, je vais bouffer un truc, me reposer un peu, et puis je reprends la route. Et pour l'instant, tout se passe bien, n'est-ce pas ? Je vais visiter la station. Ah, c'est incroyable, je sais. Il y a un foreigner là-bas qui me regarde avec un air de labrador. Voilà, bon, allez, j'ai trouvé le support idéal en mettant sur le top case de la moto, pas mal. Bon, il est 2h moins 10, pas mal. Bon, toujours en mode, c'est un peu comme chez vous les autoroutes, hein, c'est petit sandwich, petit coca. Alors maintenant, c'est bien le coca, il y a le coca light, cherry, mais des petites bouteilles de 250 millilitres. Donc, comme ça, je culpabilise un peu moins. Oui, je me rhabille en même temps. Je m'équipe, je mets les gants, la veste et tout. C'est toujours une aventure incroyable. Plus j'ai mis le tracking, hein, donc en théorie, la caméra devrait me suivre. C'est plutôt pratique. Bon, alors. Le mec qui change d'idée. toutes les heures. Non, je pense qu'on va aller jusqu'à Kalasin. Puisque Kalasin, c'est pas mal, il reste 330 bornes pour aller à Kalasin. Alors bon, on va rouler tranquille jusqu'au café. Hein, je coupe là. Reviens Léon, t'es où ? Non, tu restes là-bas. Viens ici, je suis là, regarde. J'ai pas peur. Là, Qu'est-ce qu'elle est conne cette caméra ? Putain, viens ici, voilà. Non, mais elle m'a vu partir, elle m'a pas vu revenir. Je pense qu'on va aller jusqu'à Kalasin ce soir. Un, parce qu'il y a 330 bornes pour la Kalasin, c'est pas mal. 330 bornes, 14. 17, même si je fais une petite pause, je suis là-bas à 18h, c'est bien, ça m'évite de trop galérer comme ça, machin. Et puis il y a pas mal de petits hôtels autour de Kalasin, j'ai vu à 400 bahts la nuit, tu sais, les petits. Non, c'est pas des hôtels à pute, c'est pas des. Mais ces petits hôtels, tu vois, pas cher avec le, voilà, 400 bahts, quoi, des petites huttes comme ça, comme on peut voir les hôtels, bah, comme les hôtels de passe, on est d'accord, mais c'en est pas, j'espère pas. Ou alors j'espère qu'il y a la fille avec. Bon, si j'arrive qu'ils me disent voilà, il y a une tripotée de filles, voilà, je sais et tout, je vais rester la nuit accompagnée. Hein, Amérique un peu. Mais voilà, donc 330 bornes, ça me paraît pas mal. On va rouler jusqu'au plein. Là je viens de faire le plein et tout. Alors avec un litre. Alors c'est pas. Je fais pas du litre au 100 avec le XLV, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué avec un litre, je fais 22,5 km. Voilà, je fais le calcul. Ça va faire 4 litres au 100, comme ça, parce que 6 par 100, 22, c'est vrai, 4 litres et des spoons, quoi. Donc environ 4 litres au 100, c'est pas mal. 4 litres au 100. Voilà, c'est bien. Je vais mettre une bouteille d'eau, comme ça, je vais pas trop m'arrêter. On va rouler, on va aller jusqu'au café, ça veut dire prochaine pause. Je sais pas, on verra, prochaine pause. Je vais mettre ça sous la selle, parce que là j'ai pas besoin de boire, j'ai un bois, puis au pire je m'arrêterai 30 secondes pour une bouteille d'eau. Et après, quand je la mets dedans et tout, ça me fait froid au ventre. On va rouler, à mon avis, 1h30, certainement 2h, 320 km pour aller à Kalasin. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal, ça me paraît exploitable. Et puis, voilà, donc je remets. Alors, c'est quoi l'hôtel ? Putain, j'ai fait plein d'hôtels. Alors, l'hôtel. Oh, c'est que les 400 bahts là, autour de. Alors, 400 bahts, c'est quel ? 400 bahts. Mais là je suis ok, donc ça va pas, c'est pas là du tout, je voulais aller. Bon, on retourne hôtel à l'hôtel de Kalasin, voilà. Autour de l'hôtel de Kalasin, celui-là 400, 441, 500. C'était loin, Passada Resort. Hôtel, bon, on s'en fout, on va aller au pif.
400. Je vais pas voir, bah tu seras la surprise. Allez, allez, une pause s'impose, DJ. C'était le temps de... Reviens. Ça va bien se passer. Ça a du mal, voilà. C'était le temps de faire le plein de la moto et puis la vidange de papa. Ah, les deux ans. Je vais prendre un café. Je me suis mis au café Amazon. Je sais pas si tu vas voir. Viens là. Viens là, la caméra, viens. Viens, ça va bien se passer, viens. Voilà. Viens. Voilà. Café Amazon, on prend un petit café. Il reste 463 km. Donc en fait, mes rêves de gloire et de beauté de faire encore 200 bornes, non. Ah, j'avais plein le cul, là, c'est bon. Là, c'est... Il reste peut-être encore une centaine de bornes. Je vais pas aller jusqu'à Calassine. Reviens là. Reviens vers moi. Bon, tu m'as vu? Reviens par ici. Non. C'est pas... Viens ici. Voilà. Ouais, encore dans 250 bornes. Non. Je crois qu'il est tôt. Ah, je vais prendre un café. On verra après le café, ça ira peut-être mieux. Bon, j'ai bien roulé. Mine de rien. Mettre de l'essence, faire pipi, boire un petit café, et puis là tu vois, après le café tu rigoles quoi. Le café je suis chaud patate, je repars pour je sais pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je vais mettre sous la selle? Rien du tout. Je vais enlever ma veste, je vais mettre la bouteille d'eau. Regarde, petite poche Zolki, regarde. Mettre la bouteille d'eau, très bien. Très bien quand tu roules, toutes les demi-heures boire un coup. Enlever la veste. Peut-être la mettre dans le café, parce que dans le café il y a la clim. Et grâce à la clim, ça refroidit un peu les... Viens là, viens me voir, viens. Putain, mais qui est connasse. Active track. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas activé le track, tu vois. Là, c'est bon. Sélectionne sujet instantané. Peut-être que je le sélectionne. Il y a peut-être un truc à faire, hein. Peut-être un truc que j'ai pas compris. Non. Donc là, c'est non. Là, active track on. Voilà. Oui, il y a peut-être un truc que j'ai pas coché. Voilà. Après, active quoi? Tu me craques quoi? Mes pectorales, Ah, mes pectoraux, je sais. Bon. Allez, on va boire un petit café, après, 250 km, mais tranquille. Parce qu'il est tôt, il est 3h30, hein. On boit un café, on va boire un café. Bon, tout va mieux. Je vais me taper la démonétisation d'une vidéo qui est très très mal monétisée déjà. Avec la musique, il faut que j'aille. Bon petit moquard, c'est pas cher Amazon. Putain, quand tu vois, Amazon c'est 65 bahts un moquard, le Momo Starbucks c'est 120 bahts. Et après, lui, j'ai dit 120 bahts, vous me mettez quoi dedans? Oui, c'est les prix. Bah, putain, là, une petite bande de bâtards. Je vais vous parler de car pendant que je suis là et qu'on a le temps. On n'est pas au chrono, hein. En plus, tu vois, ça a l'air de bien fonctionner. T'as si je vais pas trop vite et tout, ça va bien fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai changé le filtre à air sur le XADV et il a l'air vraiment beaucoup moins, enfin pas beaucoup moins consommé, mais moins. J'ai le roule du coup plus. Parce qu'en fait, bon, je suis allé chez JC, chez JP, hier, c'est quand on fait un peu de vidéo, je suis allé chez JP pour faire un peu la révision. J'ai regardé les pneus, regardé les freins, les niveaux d'huile et tout. Bon, c'est vrai, comme je suis allé à la maison il n'y a pas très très longtemps, on sait tout bien. Et il m'a dit, on a reçu les nouveaux filtres à air, c'est tout de compétition, mais vraiment c'est pas du chinois, c'est vraiment lui, il fait que de la marque. Et comment je dois pour le contrôle, il me dit rien, je sais pas. J'ai le filtre, c'est combien? 3500. C'est un peu cher, mais tu peux les laver. C'est-à-dire que t'as une soufflette, après tu les nettoies, donc tu regardes la vie. Et c'est vrai que moi le truc, il a presque 18 000 km, ils n'ont jamais changé chez Honda, je sais pas ce qu'ils font chez Honda, ils changent jamais rien. Ils font juste les niveaux d'huile tout le temps. Alors c'est pas cher, mais bon. Je dis, 3005, je dis, vas-y, au moins, ça lui fait des sous, ce qui est quand même très serviable et très poli et gentil et agréable. Et ensuite, il y aura une meilleure filtration. Et c'est vrai que l'autre était quand même bien pourri, quoi. Il était bien cramé, il sentait le cramé, l'autre, il était vraiment, vous voyez, il était tout noir et tout. Alors, ça faisait le taf, hein, c'est-à-dire que c'est que d'un côté, pas d'autre. Mais on voyait, il était tout pourri. Donc, le fait de mettre un filtre mieux aéré et déjà neuf, il se peut qu'au niveau de la consommation, ça ait fait quelque chose, puisque le moteur est mieux aéré, et voilà. Bon, concernant mes élucubrations, 2h40 pour la Calassine, non, je prends bien. Chier, je fais les 4h, après c'est jouable et tout, mais il faut que j'arrive un peu de route pour demain, hein, sinon c'est pas drôle. Je vais rouler encore un peu, une heure, à mon avis, une heure ça sera bien, et puis je m'arrêterai prochain. Je vais rouler une heure. Et après, dans la ville, je trouve le plus... Ouais, c'est en bas de conquête dans une heure.
je roule vers Brooklyn et après je roule et après si je trouve une ville à peu près bien et je vois des hôtels 24 sur le côté, je m'arrête. Parce que ça suffit pour aujourd'hui, j'ai fait mon côté, il me reste 463 km. Donc il y en avait 800 ce matin, donc 63 km en une heure tranquille. Et puis voilà, une petite heure ou une heure, c'est un peu plus, puis après voilà, m'arrêter, prendre une douche, allumer le Mac, peut-être les codes promo ce soir. Puis faut que je continue mes parties avec Asphalt là, j'ai fait mes parties du jour. La priorité. Puis voilà, puis comme ça demain il reste que 400 bornes. Ça ira bien, voilà. Et après, bon, pareil, je partirai le matin, du coup je partirai le matin à la fraîche, vers 9h. Voilà. Ok. Bon bah tiens, mon ami vient de me dire qu'il est disponible. Tchou ! Allez, alors voilà le dingo. Bon, il est 5h30. Bon, ça y est, j'en ai marre, hein. Je me suis quand même. Alors on peut aller jusqu'à Conquen, mais il y a encore une bonne heure là. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais apparemment le GPS disait qu'il fallait longtemps. Donc 5h30, j'estimais que c'était bien. Il est 5h30. Attends, je vais te faire voir un peu. Il nous reste pas grand chose en fait. Il reste 344 km ou 5h40, donc c'est bien. Pour demain, c'est pas mal. Alors vous dire où je suis. Je vais pas dire qu'on s'en bat les couilles. Mais je suis dans un des endroits. Je suis dans les. Attends, reconnais-moi. Voilà. Je suis dans des genres d'endroits que j'adore. Ça veut dire qu'en fait, en Thaïlande, il y a beaucoup d'hôtels au bord de la route qui sont des espèces de petits bungalows. Et attends, je te fais voir un peu le mien. Parce qu'il est en train de me chercher ici. Il dit il est où? T'es où papa? T'es où? Je suis là, t'énerve pas, cocotte. Donut, promote, et là c'est quoi? Ça, ok. Voilà. C'est le genre de petit hôtel qu'il y a au bord de la route. Alors, c'est les hôtels 24 ou hôtels de passe ou. Voilà. L'intérêt c'est les hôtels pas chers. 350 bahts. Regardez, je suis dans ma petite maison là. Je sais pas si vous voyez ma moto. 350 bahts. 350 bahts, ça fait 10,50€. Hein. Soit un prix de. Merde, mais regarde, je vais voir. Alors, comment dire, je vais te faire un peu la visite parce que tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc on est au bord de la route, hein, mais bon, après ça va se calmer un peu. Regarde, moi, ça c'est ma maison, 10,50€. Par 11€ avec un taux de change défavorable. Ils en ont plein, ils sont en train d'en construire pas mal là. Là, il y a une petite terrasse pour faire les lives. Là, enfin, tu sais, 10 balles, enfin, 350 par jour. Enfin, 350 par jour, je veux dire, sur 30 jours, ça fait 10 000 bahts, quoi. Et t'as une petite maison. Avec les draps propres. Alors, du coup, il y a plein de petites maisons comme ça. Les gens se mettent là. Alors, moi, je me suis mis avec la moto, ici, là, tranquille. Je vais te faire visiter. Bah, attends, j'enlève mes chaussures parce que c'est tout propre. Alors, un petit lit, attends, excuse-moi, faut que je te mette en bas. Alors, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-là. Voilà. Alors, le lit, il faut voir, il est dur ou pas? Oh la vache! Ah ouais, non, on va pas faire des trampolines ce soir. Ok, donc ça c'est bon. Une petite table, mais ça on s'en fout. Une télé. La pièce est quand même super grande. Hein. Tu jugeras par toi-même. Voilà. Une petite salle de bain. Je prends une petite douche tranquille. Il m'a amené des serviettes propres. On a des petits savons normalement. Pas là, mais une petite fenêtre. Enfin, c'est vrai qu'on entend un peu la route. Hein. Mais bon, après la nuit ça se calme. Et puis de toute façon, comme moi je suis à moitié sourd. Hop là, c'était pas celui-là. Ouais, mon petit savon, petit gel douche, mon petit bordel. Voilà, bon. Très bien. Voilà, bon, ben, on prend possession des lieux. Très bien, il est 5h30, toi, pour demain. Je vais. Viens par là, vas-y. Viens là, viens, ça va se passer. Il me reconnaît quand il veut, hein. Là. Je vais pas y arriver. Faut que je regarde un peu dans les menus comment ça marche. Face track. On. Ok. Ouais, c'est pas mal. On va recharger la caméra. J'ai pris une bonne douche. Regardez. Et après, je pense que je vais manger ce soir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose autour. C'est un peu l'inconvénient. Soit il faudra manger dans un boui-boui, soit essayer de trouver une station de service et tout. Je regarderai plus tard. Pour l'instant, on est pas mal. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre hôtel dans le même genre, juste un peu plus loin, là. Enfin, il y en a deux, trois, là. Ils sont là que le tout. Mais bon, je trouve que pour 10,50€, pour la nuit, ça ira très bien. Au lieu d'aller jusqu'à Conquen, je pourrais me reposer un peu, me détendre, et comme ça, je pars demain à la fraîche. Voilà. Bon bah on se retrouve tout à l'heure après la douche pour vous dire où je vais manger, mais ça va rien d'incroyable dans mon palais. Putain, c'est vraiment une grande chambre pour moi tout ça, regarde. Putain, je suis vraiment le. On va trouver.